We'll be right back.
un peu posé quand même.
Got me.
Thank you.
problème, c'est qu'on doit faire une émission. C'est l'interview, c'est l'interview. Ok, dans la caméra qui vous filme là. Concentre sur le câble. Il est là. Bonsoir à tous. Restez en ligne. En fait, il pleut un petit peu, donc on est en train de. C'est un petit peu compliqué. Voilà, on est en train de. On va s'installer là. En fait, il y a un coucher de soleil magnifique. Ça se voit pas super bien à la caméra, mais il est vraiment magnifique. On va se mettre là. Mais j'ai pas de place pour passer. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis, de nous avoir envoyé tant de messages. Ça fait vraiment plaisir. Effectivement, pour répondre à une des questions c'était savoir si toi, Inclose, c'était toi qui avais monté tout le matos. Donc voilà, il a tout monté, on l'a voilà tout seul, on a tout mis sur son dos et on l'a. voilà, on va se mettre dans l'axe. Du coup, salut Inclose, merci beaucoup pour enfin d'avoir accepté. Merci à vous de m'avoir invité, c'était grave cool, le spot est malade. Donc, Malheureusement, bon, le temps est. Ouais, grave. C'était vraiment super sympa. Le temps est pas super. On a eu un mini coucher de soleil là-bas, c'est cool quand même. Alors, je voulais te demander déjà pourquoi Inclose et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, pourquoi Inclose? Bah, justement, ça tombe bien. Inclose, ça veut dire encercler à la base. Parce que je travaillais beaucoup sur des visuels avec des cercles comme vous en fait. Et voilà, je trouvais que ça sonnait aussi bien. Et voilà, c'est aussi pour le côté sonore quoi. Je trouve que ça sonne bien, c'est cool. Ok, super. Du coup, nous, on est encore plus ravis de t'avoir vu que encercler cercle magique, quoi. Ouais, c'est la rencontre parfaite, quoi. La rencontre parfaite. Et donc, quel a été ton premier contact avec la musique Premier contact, le piano. En fait, j'ai commencé le piano à l'âge de 6-7 ans au conservatoire. Donc, j'ai un cursus classique, patati, patata, machin. J'ai arrêté le piano il y a 2-3 ans, le conservatoire, et je voulais me lancer du coup dans un autre projet, et je voulais combler le temps. Voilà. Et donc je me suis lancé sur le projet Inclose, j'ai commencé à chercher un peu des instruments sur lesquels je pouvais bosser. T'as commencé il y a combien de temps? Alors Inclose c'est à 2 ans et demi, mais ça fait vraiment un an que je me lance vraiment et que je taffe vraiment quotidiennement dessus. Voilà, donc tu fais des lives et des DJ sets. D'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés un peu tard dans le live, vous pourrez revoir la rediffusion. Il y a à peu près un quart d'heure de live d'Inclose au début et ensuite le DJ set. Je voulais te demander aussi, tu as une asso qui s'appelle Techo. Tu peux nous en parler un peu plus? Exactement, j'ai une asso, un collectif de potes qui organise des soirées. Ça fait bientôt deux ans et demi, pareil que mon projet en fait. On travaille sur de l'organisation d'événements de soirées techno house. Voilà, donc on a un rendez-vous annuel en décembre où on fait vraiment des headliners. L'année dernière, on a fait Perk, on a fait Moomin. Voilà, après, on fait jouer des potes à nous, etc. Et donc cette année, là, on invite Madrey, mec de chez DKO. Et voilà, donc on travaille. C'est quand? Ça sera le 18 décembre. Voilà. Donc voilà, et donc on a aussi fait des soirées un peu partout en France, à Lyon, à Strasbourg, etc. Là, on est un peu en stand-by parce que tout le monde a des occupations à droite à gauche, tout le monde a chaque personne a son projet, donc c'est un peu en stand-by, mais on travaille dessus quand même. Okay, super, on mettra le lien de ton asso dans les commentaires. Et du coup, tu as sorti un track récemment qui s'appelle It's All For Nothing. Je vais te demander, donc tu as une chanteuse qui s'appelle Crew, c'est ça? Comment ça s'est passé la rencontre avec elle? Pourquoi tu l'as choisie, elle? Parce que j'avais écouté des morceaux sur lesquels elle avait posé sa voix. Moi, j'ai un peu craqué sur sa voix, donc voilà, j'avais envie de la contacter, de collaborer avec elle. Sur le coup, elle a été tout de suite d'accord. Donc on s'est lancé, elle m'a envoyé des parties, voilà, on a travaillé ensemble, mais à distance. Mais c'est tellement facile maintenant de travailler à distance, tu vois, que voilà, et c'est sorti donc chez Dealer de Musique. Mon nouveau label sur lequel je signe mon prochain EP aussi qui va apparaître là prochainement. Super. Et du coup t'as dû rencontrer pas mal de monde dans ce milieu. Quelle a été ta plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre, je pense que c'est mes potes. Bah, tout simplement parce que c'est avec eux que j'ai vraiment découvert les soirées, le côté électronique, la musique électronique tout simplement.
Et bah, c'est ma plus belle rencontre en fait, parce que c'est des amis que j'ai rencontrés au lycée, et que voilà, après on a monté 1000 projets ensemble. Et voilà, donc c'est mes potes, big up au Técho, big up au poteau. Voilà, on est en direct. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions à Inclose, on les lui posera à la fin. Et du coup, également, je voulais te demander, donc j'ai lu sur une interview, donc tu as fait la première partie de Rhône et de Petit Biscuit, c'est ça? Que de Rhône? Deux premières Ah parties oui, de tu as Rhône. fait deux premières parties de Rhône, et j'ai lu sur une interview que tu disais que c'était un de tes meilleurs souvenirs. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? C'est les programmateurs qui aimaient bien ce que je faisais à l'époque, ça fait bientôt un an maintenant. Bah voilà, ils m'ont programmé sur les premières parties de Rhône. C'était l'époque où il sortait son dernier album qui a bien cartonné. Il tourne encore il tourne encore grave. Et voilà, c'est une super exposition et une super expérience à vivre. Voilà, quand tu ouvres pour un aussi gros artiste comme ça, c'est super cool, quoi. Voilà, donc ouais, y a encore pas mal de choses qui vont se profiler pour moi, mais ouais, ça fait partie des bonnes expériences. C'est ce que je voulais te demander aussi. T'as un prochain EP là qui arrive. Tu peux nous en parler un peu plus? Ou c'est top secret? Ouais, c'est un peu top secret, ouais. Mais C'est pour ça que non, t'as mais. pas pu nous jouer un peu les tracks et tout. Si, justement, j'ai joué un exclu qui sera sur l'EP. Et un deuxième exclu, mais qui n'est pas sur l'EP, qui sortira plus tard. Un track que je kiffe bien, qui sortira après. Donc voilà, ouais, j'ai un EP qui sort bientôt. Je vais annoncer ça bientôt sur les réseaux sociaux, machin, tu vois. On n'aura pas l'exclu quoi. Si, 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 voilà. L'exclu, c'est qu'il y a un EP qui va sortir et que c'est cool, tu vois. Je suis dealer de musique, voilà. Donc voilà, les potes qui travaillent aussi à fond. Voilà, avec aussi mon manager Alexis qui bosse dans l'ombre aussi. Voilà, gros big up à lui aussi. Du coup, on va aussi répondre. Enfin, si des auditeurs ont posé des questions, est-ce que tu vois des questions, Émeric? N'hésitez pas à poser vos questions, là, on les regarde en direct. Moi, j'ai pas mon téléphone, sinon je vais les récupérer. Où est-ce que tu as appris à mixer? Non, non, il y avait. Non, j'ai vu une question, mais enfin, je l'ai pas trop compris, mais c'est est-ce que tes amis savent pour la musique, est-ce qu'ils te supportent dans ton projet, quoi? Ouais, à fond. Mais surtout ma copine en fait qui me supporte quotidiennement à faire du son tout le temps, à avoir des hauts et des bas. Et je pense que c'est quand même un milieu où il faut s'accrocher, faut essayer de tout donner. C'est pas facile aussi parce que j'ai des études et que je les ai interrompues pour l'instant. Et que voilà, on verra si je pourrais reprendre ou faire autre chose. Enfin bref, c'est un peu compliqué de tout gérer en même temps. T'es full time sur ton projet. Mais en tout cas, j'essaye. Donc c'est-à-dire que je compose à fond, je prépare mon live, là je fais le premier live à Détonation Festival où j'ai une carte blanche, un programmateur m'a donné une carte blanche sur une scène, donc c'est à Besançon en province. Donc j'ai décidé j'invite Jack de Pain Surprise, j'invite Louisa, Maestrom, ouais, Tilacine aussi, et puis j'ai mis un pote de mon crew sur le warm-up, donc... Ouais, c'est une fat soirée. C'est le 30 septembre. 30 septembre, détonation donc. Détonation Festival à Besançon. Donc, y a un fat line-up, c'est cool. Super. Du coup, des questions, Emery, qu'est-ce que tu envoies? On n'arrive pas. Attendez, juste 2 secondes, je vais peut-être prendre mon. Fais voir. Est-ce que sur le live, on voit. Ouais, en fait, ouais, on peut pas les voir parce que ouais, techniquement c'est compliqué. Du coup, on va passer à la boîte mystère. Du coup, on vous a pas dit pendant le live, la boîte mystère, fallait deviner ce qu'il y avait dedans pour gagner la même chose. Et donc, c'est toutes les semaines, on offre un petit cadeau pour nos invités. Et du coup, bon, bah là, vous avez pas forcément pu deviner puisqu'on vous a même pas proposé de le faire. Mais bon. Désolé, en fait, on était à fond avec toute l'organisation, c'était un peu compliqué. Du coup, ben voilà. Alors, on va voir ce que c'est. Ouais, tu peux l'ouvrir. Non, c'est pas un Moog. C'est en rapport donc avec le décor. C'est une plante, les gars. Putain, c'est une plante. C'est une plante. Ok, j'ai Voilà. gagné le trophée. Voilà, donc comme on est un Ouais, petit peu super, au. les gars. Super, merci. Avec plaisir. Comme on est un petit peu au milieu de la forêt, on s'est dit qu'une plante, c'était d'occasion, quoi. C'est en rapport. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous surtout, vraiment. Merci à vous, c'est grave cool. On a passé un super moment au final. On a mis un petit peu de temps à venir ici, à installer, mais c'est cool, franchement.
On a vraiment passé un bon moment. Merci à tous nos auditeurs, c'est super cool de nous avoir envoyé tous ces messages. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une émission avec Turman dans la grotte. Allez, bisous, ciao.